Hello les gars, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour ce vlog de l'année, vraiment là, vraiment le vlog de l'année, parce qu'aujourd'hui on est actuellement le 5 décembre, samedi 5 décembre, il y a les Energy Music Awards et moi Zoé Tondu je vais remettre un prix. Voilà, on m'a demandé si je voulais bien remettre un prix au Energy Music Awards, donc j'ai bien évidemment dit oui. D'habitude ça se passe à Cannes, mais là avec le Covid trop galère, du coup on va tourner à Paris dans les conditions du direct et ça sera retranscrit le soir, mais il y aura pas de public, enfin ça va être hyper bien respecté et tout. On n'a pas trop le choix quoi, mais bref, je suis trop contente. Donc là je pars, il est actuellement 9h, je pars de chez moi, j'y vais en voiture à Paris parce que avec le Covid il y a genre pas du tout assez de train et j'aurais pas pu rentrer chez moi ce soir parce qu'il y avait plus de train assez tard, enfin bref. Du coup je prends ma voiture, on y va, c'est parti. J'ai trop hâte. Je suis débile, j'ai oublié de mettre le GPS. Comme par hasard, bien sûr, Zoé va savoir aller à Paris toute seule. Oui. Va à Paris. J'ai oublié de faire mon attestation. Enfin, ça, je suis désorganisée. C'est un délire. À chaque fois que je sors, j'oublie de faire mon attestation. C'est abusé. Bref. Tous anti-Covid. Alors, aujourd'hui, nous avons 11 000 nouveaux cas. Motif de déplacement. Activité professionnelle. Allez hop. J'ai peur, je comprends rien. Voulez-vous que je compose un nouveau message ? FTG. Allez putain ! Pourquoi il y a autant de monde dans les routes dehors alors que c'est le fucking confinement ? Je suis arrivée ! Je suis arrivée à la scène musicale. Ça va être ici que ça va se passer ce soir, trop hâte. J'ai mes petites robes, telle une star. Et voilà, on y va. Du coup, j'ai ma petite loge juste en face de Angers. Voilà, juste vous voyez, là. Bon, Alethina n'est pas là. Mais voici du coup ma petite loge. J'adore, je suis trop contente. Il est midi et demi. Et j'ai mon petit badge aussi. Zoé Tondu avec ma petite photo. J'adore. C'est trop stylé, je vois les loges avec les noms des artistes que j'adore et tout. Et moi, je suis genre... Ok, donc là on vient de faire les répétitions, enfin du coup on a visité le plateau, c'est immense. On a discuté avec les gens qui allaient, enfin, avec Bob Sinclair et du coup je vais aussi remettre le prix avec Michel Bernier et tout. Mais je vois plein de stars et tout, oh my god. Et du coup bref, là faut que j'aille me faire maquiller. Il m'a dit mais tu vas remettre le prix comme ça. Voilà, en même temps j'ai peur, en même temps j'ai hâte. Il y a un prompteur et tout pour lire, enfin bref. Les gars là on est en train de faire le petit maquillage, ravalement de façade. Bientôt je ne ressemblerai plus à ça. Les gars du coup là je suis prête, enfin il manque juste mes chaussures et on va aller faire le tapis rouge. C'est hyper speed, genre j'ai dû me faire mes cheveux en 2-2, je me suis brûlé la main, j'ai mal sa mère. Demain j'ai une énorme cloque c'est sûr. Mais bref du coup voilà, et mon maquillage ça donne ça. Bon c'est très maquillé pour la télé mais voilà. Et ma robe c'est comme ça, je vous montrerai mieux après. Actuellement sur le tapis rouge, il y a vraiment tout le monde ici, je tremble, oh my god. Je
viens actuellement de faire le tapis rouge. Alors vraiment, mais what the fuck, le truc hyper speed. On m'a dit vas-y fais-la. Zoé, je savais pas quoi faire, j'étais pas préparée. J'avais mon masque dans la main parce que j'ai pas eu le temps de le poser. Mais bon bref, c'est passé. Et j'espère les photos elles sont bien parce que je pense qu'elles sont pourries, j'avais une tête de merde. Mais bon bref. Là du coup on est rentré dans la loge. Moi je vais remettre le prix. C'est quoi le prix de la révélation francophone de l'année? C'est ouf et je passe à 17h30 et là il est 15h donc j'ai un peu de temps pour me repréparer puisque là mes cheveux tombent pour manger. Mais j'ai trop hâte de savoir avec qui, parce que je sais pas moi là maintenant qui est le gagnant, je saurai juste avant de passer. J'ai tellement hâte. Du coup voilà, regardez l'état de la loge. On partage la loge avec. Enfin je partage la loge avec Ametsi là, c'est le bordel uni. Voilà, on dirait ma chambre tous les soirs, il y en a partout. De me faire un petit pansement. Les secours en action. Voilà. Merci. Courage. Oula, j'ai roté. Mon passage est dans 2 heures, donc j'ai un peu le temps de faire ce que je veux. Donc nous allons boire du champagne. Attends, tu me dis parce que je vais. Ah mais je suis conne, je peux pas boire. Donc j'ai décidé de vous faire un petit NMA tour. Alors là nous avons toutes les loges des stars. Il y a vraiment un énorme espace avec toutes les loges des stars. Là il y a des gens qui font des claquettes. Ah parce qu'il faut après revenir et taper après. Donc comme je vous disais, les loges avec les noms de chaque personne sur les petits écriteaux. Et ici on voit ce qui se passe en direct sur la scène. Ok, donc voilà, là c'est l'énorme espace pour montrer tout ça. On monte les petits escaliers. Voilà, donc là on arrive et là on a un énorme mur genre avec là où on fait les photos et tout. C'est les photographes qui sont là d'habitude. Donc voilà, il est 16h20. Oh my god les gars. Vous savez pas ce qui s'est passé. Genre depuis tout à l'heure je stresse et tout. Genre là ma main elle tremble. J'ai porté mes coronettes, j'ai porté mon courage à deux mains. Je suis allée demander à Angèle une photo. Mais genre je vous jure j'étais trop stressée. Genre plusieurs fois elle est passée à côté de moi et j'étais genre. Et là je lui ai demandé. Je suis trop contente, my god. Elle est trop belle, elle est trop gentille. Et du coup bah en attendant de faire mon passage, bah je vais aller faire ça avec des gens que je croise dans la rue. Enfin dans la rue non, dans les NMA. Ah c'est le vlog ? C'est ouais. Le vlog qui sera sur YouTube. Juste, c'est ton vrai nom? Non. Ah j'ai peur. Ça me fait penser au dîner de con, tu l'as vu le dîner de con? Mon gars était fait de me faire ça. Ah. C'est pas juste le blanc. Juste le blanc. Juste le blanc. Non il s'appelle le blanc. Juste le blanc. Juste. C'est moi. Bill, I'm in the mood for a switcher. I hit the function, hit the rosé till I hiccup. I hit the stage and leave with money, that's a sticker. She picture perfect, so I told him I'm a flicker. Bill, I'm in the mood for a change up. I leave the city and return with my change up. They got amnesia, don't remember how they played us. They wanna knock me down, but somehow I just stay up. Je suis actuellement avec Bob Sinclair en personne. Oui. Et on va remettre du coup le prix. La révélation francophone de l'année. De l'année, c'est ça. Ah oui, ah tu ne savais pas. Si, je savais. Moi tu sais que je ne connais absolument aucun des 5 artistes qui sont nommés. Ah bon? Mais aucun. Ah bah moi je les connais. Bah voilà. C'est pas ta génération. Ah je te remercie. Non mais du coup voilà, on va faire ça. Et voilà, je suis aussi avec Michel Bernier. Ah putain voilà. C'est flou, attends. Ah c'est bon. Non, je suis pas flou. Manque ça de temps et Anna, ça m'arrange bien. Oula. Donc on y va, j'ai jamais fait ça de ma vie, on va voir si ça se passe bien. À ses côtés, une jeune star des réseaux sociaux et un homme qui fait danser la planète. Mesdames et messieurs, Michel Bernier, Juste Zoé et Bob Sinclair. C'est un honneur pour nous de vous remettre donc ce prix et ceci, une grosse responsabilité. Avec Bob et Michel, on sera... C'est
c'est bien, vas-y, Zoé. Tu t'en souviendras, c'est ta première télé. Refais une entrée, c'est mieux comme ça, tu vas pas souffrir après sur les réseaux et c'est parfait. Vas-y, c'est pas grave, on te le fait cadeau. T'inquiète pas. Allez Zoé, t'inquiète pas. Smile, le smile. C'est pas grave, t'inquiète pas. Le smile, tout se passera bien. C'est un honneur pour nous de remettre ce prix et c'est aussi une grosse responsabilité. Avec Bob et Michel, on sera toujours associés à vous pour votre premier Energy Music Award. Allez Zoé. Squeezie! C'est bon, je suis partie, j'ai bugué, t'as fumé mon bug? Ouais, j'ai fumé. Mais bon, ça va, c'est passé, je crois. Sans conseil. Petite photo, par contre, en enlevant la crème, et puis aller devant le... Jamais les On vient de finir de remettre le prix, et là, on va aller faire une petite photo, du coup, avec Squeezie, avec le gagnant, et avec aussi les remettants. Squeezie au milieu, entre les deux, ok? Voilà. Bon, les gars, il est actuellement... Je suis orange, je suis une tomate. Bref, il est 19h30 et là je vais prendre la route pour retourner à Angers. Donc j'ai 2h45 de route pour regarder l'émission avec ma famille. Donc je suis contente parce que je voulais pas le regarder toute seule dans une chambre d'hôtel. J'ai préféré faire l'aller-retour. Donc franchement, je suis trop contente de mon passage, même si j'étais pas du tout naturelle. Vraiment, j'étais tellement stressée, je vous le jure, la première fois quand j'ai bugué, mais genre en fait, j'avais pas vu le texte avant. Enfin, je l'avais vu une seule fois et encore en 2-2. Et du coup, quand t'arrives sur la scène, t'as un prompteur, donc t'as un écran avec les paroles qui défilent, les trucs que tu dois dire. Et tu dois lire et le dire en même temps. De manière naturelle. Parce que moi j'ai pas du tout l'habitude de ça et je savais pas quoi faire. Mais en même temps j'étais trop contente parce que c'est une expérience de ouf. Donc voilà. Bref, je retourne à Angers. J'ai hâte de voir ce que ça aura à la télé, même si je pense que ça va être un peu gênant. Et même au moment où j'ai crié Squeezie, ma voix, je sais pas ce qu'elle a fait. Genre, j'ai pas voulu crier aussi fort de manière aussi what the fuck. J'ai fait Squeezie. Bref, go Angers, zou. I'm not trying to hurt you, but I will if I have to. I'm gonna tell you what I do. Run away, run away. I'm a fighter, never backing down. Maybe I'm a soldier, standing my ground. So if you're gonna fight me for my heart, all you're gonna get is battle scars. Maybe I'm a tiger, 20 steps ahead. Maybe I'm a viper, one bite to dead. So if you're gonna fight me for my heart, all you're gonna get is battle scars. Maybe I'm a fighter, never backing down. Les gars, je sais pas ce qui se passe, c'est trop chelou. Bon, le cadrage est éclaté par contre. Je suis coincée dans les bouchons du boulevard, du comment dire, des les bouchons parisiens quoi. Je suis coincée, on est à l'arrêt et ça fait 3 camions de police et le SAMU plus les urgences, non les pompiers pardon, ils nous ont tous doublés donc on s'écarte tous, mais il doit y avoir un truc hyper grave parce que ils arrivent à fond, les sirènes, les trop bizarre, genre vraiment 5 camions de police à fond et tout, j'étais choquée. En bas c'est trop bizarre, mais bref, j'ai trop le seum parce que j'ai trop peur de rater mon passage à la télé parce que j'arrive trop tard. Normalement ça va le faire, heureusement finalement que je passe dans les derniers. J'aime pas conduire dans Paris, j'aime pas les bouchons, j'aime pas. Déjà je me suis perdue pour retrouver la fucking autoroute. Heureusement j'ai de la nourriture. Ah, j'étais à une heure d'autoroute, j'ai reculé dans un muret. Allô, je me suis pris un muret. J'espère ma voiture elle a rien. Je vais tomber en panne d'essence. Il me reste 40 km d'autonomie et après j'ai plus d'essence. Et là, je ne vois pas de station essence, il n'y a pas de panneau qui indique station essence, je comprends pas, j'arrive dans 37 km chez moi. Donc on continue dans les story time de karma de merde, donc j'ai pu faire de l'essence. Et là, sinon, je viens de me faire flasher. Voilà, super, donc je vais me prendre une amende, voilà, j'en ai marre. Plus jamais de ma vie, je retourne à Paris en voiture. Bon les gars, j'ai complètement oublié de filmer le vlog, je suis rentrée chez moi à 22h30, donc j'ai couru devant ma télé pour ne pas louper le passage et pour regarder un petit peu l'émission, donc j'ai profité avec mes proches. Voilà, donc on a attendu, je suis passée à 00h30 et je vous mets un extrait maintenant du passage. Oh my god, oh my god. C'est pas quoi faire. Et là, je me dis, je prends l'enveloppe. Bref, voilà, au final, c'était pas gênant. Ça s'est totalement bien passé. Juste mon cri à la fin. Squeezie!
tout mon stress est sorti dans ce cri, ça s'entend je pense, bref. Donc voilà, je suis trop contente, j'ai bien profité du week-end avec ma famille, vous avez été hyper nombreux à regarder aussi, à me soutenir, à m'envoyer des messages de remerciement, de soutien, de bravo. Ça m'a trop touchée tout le week-end, j'étais sur un petit nuage, donc je suis trop contente. Voilà, voilà, c'est une expérience de ouf, je suis trop contente de l'avoir faite. Trêve de tout ça, j'ai pas envie d'arrêter le vlog maintenant. Voilà, donc là on est lundi et on va faire la déco de Noël dans ma maison. Donc je vous emmène avec nous, c'est parti pour la petite déco de Noël chez la famille Tondu. Let's go! Du coup cette année on a investi dans un sapin artificiel. Jean et maman sont en train de le construire et en vrai il fait vrai. Hein. On a Chichil là qui nous regarde et moi j'ai acheté un Père Noël gonflable taille humaine. Bref, on va construire ce sapin. Bonjour! Le sapin est construit et maintenant on va mettre la guirlande lumineuse car j'ai fait une pétition pour le sapin. Bref, j'ai fait une pétition pour pas qu'on mette de guirlande de froufrou là parce que ça fait moche, je trouve. T'es où? T'es vraiment malade toi. Tu veux m'asseoir? Il veut sortir. Oh! Et la garde, c'est chaud. Il faut que tu te mettes dans l'autre sens, c'est mieux. Squidden! Ah! Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Last year I thought about how things can come. Terminé la décoration du sapin et franchement il est trop beau. Petite astuce, ne mettez pas de guirlande moche là avec tous les pchit-pchit partout, ça rend moche. Bref, regardez, voilà ce que ça donne, il est trop beau, franchement on a dette ça. Vraiment je suis fan de ce nouveau sapin. Les gars, il y a tellement de bordel dans ma chambre que j'ai perdu mon appareil photo, donc je ne peux pas finir le vlog avec un appareil photo, donc je vais finir à l'iPhone. J'espère que ce vlog vous aura plu, je vous montrerai en story un peu plus ma maison décorée, là on n'a pas fini. En tout cas voilà, moi ça a été un plaisir d'aller au NMA comme je l'ai dit, j'ai trop kiffé faire ce vlog, donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.